accrocher le linge dehors. D'ailleurs, je vous ai partagé hier un peu, enfin comme ça, sans but précis. Mais en fait, je vous ai partagé le sèche-linge. Enfin, j'ai juste mis une photo sur Insta de mon linge qui séchait. Et vous avez été plusieurs à me demander d'où venait mon séchoir à linge. Et en fait, c'est un Ikea. De toute façon, on va aller accrocher le linge dehors, je vous le montrerai. Je vous avoue que c'est un séchoir à linge quand même qui n'était pas donné. Il m'a coûté, il me semble qu'il m'a coûté 99 euros. Et en fait, je me souviens d'ailleurs que j'étais assez étonnée quand j'ai vu le prix parce que je crois qu'il n'était pas affiché en magasin, je sais plus, et donc arrivé en caisse, bah voilà, enfin j'ai vu le prix, je me suis dit bon bah tant pis, maintenant je l'ai pris. C'est quand même un séchoir de super bonne qualité, il est en métal en fait, et ça change, moi qui ai eu que des séchoirs à linge en plastique, lui pour le coup il est vachement robuste et tout ça, par contre il a tendance à un petit peu rouiller, je vais vous montrer dehors, juste au niveau des coins, enfin rien de bien méchant. En fait il est vertical et moi c'est ça que j'aimais bien, et ça permet du coup d'accrocher plus de linge que notre séchoir qui est plutôt qui est horizontal. Je le mets en plein soleil pour que le linge sèche vite, sachant que dans 2 heures il repleut. Donc le voici, il est comme ça. Et il est en métal et il est vraiment bien. Bon là il est mouillé parce qu'il a plu tout à l'heure. Comme ça vous verrez mieux peut-être. Il est comme ça et il est top. Et voilà, vous voyez toute ma machine, j'ai réussi à l'accrocher là. Et en fait ça rouille à ces endroits-là, des petits endroits par-ci par-là. Mais comme je vous ai dit, franchement c'est rien de bien méchant. Ici aussi par exemple, là. Mais sinon ailleurs, enfin au niveau des barres et tout, pas du tout. Mais pourtant il est bien écrit que c'est un séchoir d'extérieur, enfin extérieur et intérieur. Les filles, je viens de me faire le meilleur smoothie de la terre entière. Oh, il est trop bon. Vous savez, c'est le smoothie où il y a tous les ingrédients, tout y est, vous savez, parce que, enfin, surtout là, ces derniers temps, soit un coup, il nous manquait les protéines, un coup, j'avais plus de bananes, un coup, j'avais plus de graines de lin, de graines de chia et tout. Là, tout y est, et franchement, il est trop trop bon. J'ai même ajouté un petit peu de beurre de cacahuète que j'avais acheté au moment où j'ai acheté aussi la protéine végétale, et franchement c'est trop trop bon. Donc pour récapituler, si jamais ça intéresse quelqu'un, par personne à chaque fois je double les quantités parce qu'il y en a un pour moi, un pour Isaac, une demi-banane chacun, myrtille surgelée, framboise surgelée, une cuillère à soupe du mélange graines de chia et graines de lin moulu, une portion, donc c'est 30 g de protéines végétales, donc c'est la sink là que je vous ai montré, et puis c'est tout, et puis de l'eau. Je mets plus de lait, je sais pas si vous vous souvenez, avant je mettais du lait végétal, maintenant je mets que de l'eau. Beurre de cacahuète, là pour le coup j'ai mis une cuillère à soupe, mais vraiment rase quoi. Et puis après je couvre avec de l'eau, je mixe, et c'est d'une onctuosité incroyable. Ça me fait penser justement, hier j'ai voulu manger une glace Nuit, vous savez la marque NUII là. D'ailleurs leurs glaces elles sont incroyables, je les trouve carrément meilleures que les Magnum. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Et franchement c'était le premier, c'était la première fois que je remangeais un truc sucré industriel depuis que j'avais arrêté. Oh là là, mais ça m'a paru tellement sucré. Et je vous jure que j'avais la gorge qui brûlait. J'ai eu du mal à finir la glace. Je me suis régalée, elle était quand même bonne et tout. Mais c'est dingue comment les papilles s'habituent, comment la gorge aussi s'habitue. Enfin, c'est comme si avant mon corps était plus... enfin, était devenu insensible au sucre. Et là maintenant, mais je l'ai ressenti de dingue. Franchement, j'avais la gorge... Vraiment, après avoir fini la glace, j'arrêtais pas de faire... J'arrêtais pas de me racler la gorge parce qu'en fait ça me brûlait, j'avais mal à la gorge quoi, tellement c'était sucré. Et je réfléchissais et je crois que ça doit bien faire un mois, je crois que, enfin ça faisait un mois que j'avais pas remangé un truc comme ça sucré industriel. Après voilà, moi je suis pas du tout dans la privation, ni dans la frustration, ni dans la restriction, donc voilà, si un jour j'ai envie d'une glace comme ça sucrée, bah je vais la prendre, mais c'est pas un truc que je vais faire de façon régulière, et c'est pas un truc qui me donne envie plus que ça. C'est comme je vous disais la dernière fois, en fait maintenant tout ce qui est gâteau sucré et tout, bah c'est... Je le vois plus spécialement comme quelque chose de waouh, de délicieux et tout. Néanmoins, les glaces Nuit, elles sont vraiment bonnes. Hier, j'ai goûté, du coup, c'était là, chocolat blanc caramel. Et avait de la noix de pécan, je crois, dedans. Elle était super bonne, franchement.
comment vous dire qu'on ne s'est pas parlé depuis un moment. J'ai juste filmé quand on est allé faire les soldes avec Isaac, et puis, Isaac aussi a filmé du coup. Par contre hier, alors à la base je suis allée en fait, enfin on est allé avec Isaac à Bralil parce que j'avais envie de faire une vidéo haul spécial solde pour ma chaîne anglaise. J'ai trouvé des choses chez Mango, je vous les montrerai aussi dans ce vlog, hein, vous inquiétez pas. Et après j'ai dit à Isaac, je dis tiens on va aller au printemps, parce que je me rappelle que c'était l'hiver, non l'été dernier, j'avais trouvé des pépites de dingue pour l'hiver, notamment mon manteau Gany, vous savez le long là, le bleu marine, que j'avais eu à moins 80% je crois, un truc comme ça. Donc je me suis dit viens par curiosité on va voir, et là je suis arrivée dans le rayon, c'est mon rayon préféré d'ailleurs, c'est le rayon Maria Luisa, je crois que ça s'appelle comme ça. En fait c'est pas un rayon mais enfin c'est un corner en fait au premier étage, si jamais vous allez au printemps de Lille, où il y a des marques, je sais pas si je peux dire premium, je sais pas trop comment les qualifier, mais c'est plus des marques de créateurs, voilà. Et donc il y a Isabelle Marant, il y a Hiro, il y a Gany du coup, je ne sais plus quelle autre marque. En tout cas moi les deux qui me marquent à chaque fois c'est Hiro et Isabelle Marant, c'est deux marques que j'aime énormément. Et donc là, je suis tombée sur des pépites, mais je savais plus où donner de la tête, surtout que les réductions étaient dingues, elles étaient à moins 50, moins 60, il y avait aussi du moins 30. Et à un moment je dis à la vendeuse, je dis mais c'est dingue les réductions que vous faites et tout dès le début des soldes. Elle me dit bah oui, avec la situation sanitaire et tout ça, c'est vrai qu'on a beaucoup de trucs en stock et on préfère en fait à choisir, on préfère faire des grosses réductions. Et elle dit à choisir, on préfère que ça aille à nos clients plutôt que ça aille après tout ce qui est des griffes et tout ça quoi. Donc c'était incroyable, et donc elle m'a dit oui là il y a vraiment des opportunités, enfin des marques honnêtement hors solde, voilà je sais pas si je me les achèterais ou alors faudrait que j'économise un peu et tout. C'était vraiment des grosses réductions, donc j'ai pris une robe Isabelle Marant que je vous ai, je pense que je vous l'ai prise en photo, ouais je l'ai prise en photo, donc je vous glisse la photo ici. Oh, magnifique, derrière elle est ouverte au niveau du dos et elle a trois nœuds comme ça qui viennent s'attacher. De toute façon je pense que je vais faire un reel spécial haul solde et tout pour mon Instagram ou bien pour mon TikTok, je sais pas encore. J'ai pris ça, ensuite j'ai pris un pull qui était à moins 50%, pareil Isabelle Marant. Alors je dis Isabelle Marant mais techniquement c'est Isabelle Marant étoile, donc c'est sa gamme un petit peu, c'est la petite sœur on va dire de la marque Isabelle Marant. Et donc là j'ai pris un pull, oh il était trop beau, il était taille 40, tant pis il est trop grand mais bon. J'aime bien le côté oversize et puis quand c'est un pull d'hiver comme ça, enfin tu mets toujours un truc en dessous et tout, donc c'était pas gênant. Mais avec un gros col, avec un gros zip comme ça et des couleurs tellement vivantes et peps et vibrantes, et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce pull. Voici la beauté, il est trop trop beau, il est magnifique, j'aime tout dans ce pull, j'aime le coloris, j'aime la coupe, j'aime la matière, j'aime les détails comme là, les bandes en cuir comme ça ici, le col comme ça tricoté à l'intérieur, enfin ou en maille, je sais pas comment on dit. Là les poches pareil surpiquées avec des lanières de cuir, pareil ici en bas. Il y avait d'autres trucs franchement, il y avait un ensemble, vous savez un jogging un peu style années 90 avec des couleurs comme ça hyper rétro et tout, pareil Isabelle Marant, mais au bout d'un moment il fallait que j'arrête. Donc mais il y avait la veste et le pantalon qui allait avec, mais vraiment en matière jogging comme avant quand on était petit quoi, et que nos parents nous habillaient avec des couleurs flash genre violet, vert et tout. Il y avait ça, il y avait aussi une veste, un blazer Isabelle Marant magnifique. Il y avait des pépites aussi, Hiro, Isabelle Marant, il y avait aussi ses longs manteaux, vous savez, à carreaux, là, rose et beige, un peu pastel, magnifique aussi. Mais ouais, j'ai essayé par contre des chaussures Jonac, ça c'est au rez-de-chaussée du printemps. Et je suis d'accord parce qu'elles étaient trop petites, pourtant c'était un 41, mais la vendeuse m'a dit que justement Jonac ils ont conscience que pour leurs chaussures ils taillent assez petit, et donc là ils sont en train de faire des tests pour voir pour tailler plus normalement. Donc là je crois qu'ils sont en train de faire ouais des tests sur certaines chaussures, parce que du coup elle m'a donné un 41 mais elle m'a dit, enfin MML elle savait que c'était plus un 40 qu'un 41, mais vous savez c'était les sandales gladiator, là style ouais style gladiator, où en fait où il y a des brides au dessus et il y a aussi une bride qui vient autour de votre cheville. J'aime trop ces chaussures là et donc je les ai essayées mais ouais donc trop petites. Après on est allé dans une boutique que j'ai découverte récemment que j'aime énormément aussi, pareil. Alors pour le coup c'est une boutique où c'est plus des marques que je vois habituellement sur Farfetch, et donc c'est des marques que honnêtement je connaissais pas trop avant que j'explore comme ça le site Farfetch et que je suive des nanas qui
qui ont tendance à faire du shopping plus sur ce genre de site et tout. Et donc, elle vend des marques. Alors, forcément, Anine Bing, ça, je connaissais déjà. D'ailleurs, c'est là que j'ai acheté mon t-shirt beige avec la tête de tigre, Anine Bing. Elle vend aussi la marque Jim Sander. C'est ça, c'est... Non, Jill Sander, pardon. Elle vend cette marque-là. Elle vend la marque Anushka. Elle vend la marque... vous savez, les baskets, la Autry aussi. Mais c'est honnêtement, c'est plein de marques que en fait j'ai découvertes quand j'ai fait mon cheminement où je vous ai dit que je voulais découvrir des nouvelles marques et pas toujours m'orienter vers H&M et Mango. Et donc c'est là que j'ai commencé à me familiariser avec des créateurs, des choses qui ont moins pignon sur rue, on va dire. Je sais pas comment expliquer. Elle vend aussi la marque de jeans Redone. Et pareil, quand je faisais ma recherche de jeans, là, vous savez, à la bonne longueur, des jeans de qualité et tout, cette marque-là, Redone Jeans, elle est beaucoup ressortie aussi dans mes recherches. Et pareil, elle est vendue sur la plateforme Farfetch. Il y a aussi la marque Agoldé. Et donc, j'ai regardé un petit peu son coin solde. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'elle vendait des jeans, justement, de la marque Agold et de la marque Redone. Donc, j'ai pris un jean de la marque Redone ou Agold, finalement. Non, c'était Redone, je crois. Parce qu'au début, je crois que c'était un Agold, mais en fait, c'était un Redone. Bref. Et donc, je l'ai essayé. Trop, trop beau aussi. Pareil, je vous mets. J'ai fait les essayages, donc je vous montre sur le côté. Et donc j'ai aussi pris ce t-shirt de la marque Rotate. Pareil, c'est une marque que vous pouvez retrouver sur le site Farfetch. Et j'aime trop cette marque, pareil, c'est une marque que je connaissais pas tellement. Alors à la base, il faut savoir qu'il y a des énormes épaulettes sur ce t-shirt, mais elles sont amovibles. Et franchement, quand j'ai essayé le t-shirt au départ avec les épaulettes, j'avais l'impression d'être un... Vous savez, des footballeurs américains, là, avec les gros trucs et le casque qui court comme ça. Et mais la vendeuse m'a dit, non mais vous inquiétez pas, vous pouvez les enlever. Donc moi, j'ai choisi de les enlever. Après, si on a vraiment le côté grosse épaulette et tout, je pense qu'il faut vraiment y aller à fond sur ce style là dans ces cas là et genre attacher les cheveux en chignon haut et bien marquer la taille pour que ce soit bien comme ça, bien assumé quoi. Mais bon, pour tous les jours, je me voyais juste porter comme ça. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que le t-shirt finalement il a gardé la forme des épaulettes, donc il n'est pas non plus hyper plaqué contre les épaules, donc il y a ce côté un petit peu large quand même. Mais ouais, j'aimais beaucoup ce t-shirt, donc là je l'ai rentré dans mon Bermuda Mango. Alors je l'ai porté toute la journée, il est chiffonné, j'étais affalée sur le ventre en train de regarder des vidéos YouTube sur mon téléphone, il est chiffonné et tout, mais en tout cas la qualité est vraiment bien, tu vois que c'est un t-shirt qui se tient bien et tout. Enfin voilà pour ça, et sinon donc chez Mango, ouais, j'ai trouvé des pépites, je vous les montrerai comme ça en vidéo. Je les ai aussi essayés, donc j'ai déjà filmé les essayages, donc quand je vous les montrerai et que j'en parlerai, je vous mettrai aussi les essayages sur le côté. Et sinon, alors je sais pas si ça se voit, mais en fait à la base j'étais venue pour me démaquiller parce que j'étais allongée, donc j'ai une tête, j'ai le mascara qui est à moitié coulé et tout, bref. Mais je voulais aussi venir vous voir du coup pour vous faire un petit unboxing parce que j'ai reçu quelques petites choses. Alors, j'ai reçu 3 choses, certaines que j'ai commandées, d'autres que j'ai reçues. Là-dedans se trouvent les vernis Nailberry dont je vous avais parlé, je suis trop contente. Donc j'ai pris un jaune pâle, un vert pâle et un rouge orangé. Je sais déjà que je vais mettre le rose pâle, n'importe quoi, le jaune pâle ce soir. Lui c'est mon préféré, quand je le vois porter à chaque fois sur leur site, sur leur Instagram, je le trouve trop beau. Donc on a le vert pâle comme ça, ensuite on a le rouge orange et enfin le jaune pâle, mon préféré. Mais ça franchement sur une peau bronzée, waouh, j'ai trop hâte. Donc c'est de la gamme L'Oxygéné et donc comme je vous le dis à chaque fois, c'est vegan, ça laisse passer l'air et l'eau en fait sur votre ongle. Ensuite, alors ça je l'ai reçu de la part de Glossybox, donc c'est la box du mois. Ah, on a un dry shampoo, donc un shampoing sec invisible comme ça. C'est de la marque Marianilla, je connais pas du tout, Stockholm. On a également une poudre Pixie by Petra. Ah, c'est un blush illuminateur. Beauty Blush Duo Peach Honey. Bon, c'est fermé par un plastique, mais en tout cas, voilà comme ça la couleur. On a également ici la marque Glime Sérum Illuminateur Brightening Serum. On a également un SPF 50 de la marque Polar. J'aime beaucoup cette marque. Leur crème pour les mains, elle est dingue. Elle hydrate super bien. Et enfin, on a un pinceau de la marque Luvia. Je ne connais pas du tout. Un pinceau comme ça. Donc voilà pour ça. Et enfin, j'ai fini en fait ma cure d'argile. Finalement, je l'ai faite que 2 semaines au lieu de 3. Parce que sur moi, mon corps a très vite réagi, tout de suite. Ça a été quasiment immédiat en fait. À partir du moment où j'ai fait la première prise le soir,
Le lendemain matin, déjà, ça agissait et tout. Et en fait, en discutant avec Najwa, ma naturopathe, on s'est rendu compte que déjà mon corps réagissait très vite. Et elle m'a dit que je faisais partie des personnes qui réagissaient très vite, en fait. Et que vu que je faisais du sport de façon assez intense et régulière, le sport, ça avait tendance à accélérer les effets de la détox, de la cure d'argile et tout. Donc, c'est aussi pour ça. Donc, elle m'a dit, écoute, pour moi, t'as pas besoin de faire plus que 2 semaines. Et je le sentais que vraiment mon corps... vers la fin, j'étais quand même assez fatiguée et tout ça, et je sentais que c'était bon, quoi, que j'avais pas besoin d'aller plus loin. Et donc, elle m'a dit, à partir de maintenant, tu peux commencer donc ta cure de compléments alimentaires. Je vais pas vous donner tout le détail parce que franchement, il y en a quand même pas mal. Enfin, surtout que j'ai pas encore commencé, donc j'ai pas encore l'habitude. Je sais pas encore de tête quand est-ce que je dois prendre ci, quand est-ce que je dois prendre ça. Une fois que je le saurai, que je le maîtriserai, je vous dirai. Donc ça, c'est le premier que j'ai reçu donc aujourd'hui. Ah, la mactorine. Donc ça, c'est mon magnésium. C'est du magnésium et de la taurine. Il y a aussi de la silice et des vitamines B. B3, B5, B12, B6, B2, B1, B8. Trop bien. Donc c'est magnésium, taurine et vitamine B. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que ça, c'est du sur-mesure selon mes besoins, par rapport à ma thyroïde aussi et tout ça. Donc ne prenez pas juste ça parce que moi, je vous dis que je prends ça. C'est mieux quand même d'avoir un programme vraiment qui vous corresponde totalement. Donc voilà, je voulais absolument faire cet unboxing avec vous. Je vais aller me démaquiller et puis je vous retrouve pour le coup sûrement demain. Et après, je vais me poser devant la télé après avoir mangé et je vais m'appliquer le jaune pâle. C'est la teinte Folie Douce. Ah ouais, je vais vous donner le nom des teintes. Joyful. Et le vert, c'est Minty Fresh. Et franchement, ce que j'aime bien aussi faire en été, c'est, vous savez, mettre différentes couleurs sur chaque ongle. Je trouve ça tellement fun et tellement... estival, quoi, j'aime trop faire ça. Donc voilà, bref, je vais me démaquiller les filles, je vous dis sûrement à demain. Je file chez le dentiste pour ma séance de stripping et je voulais vous montrer ma tenue parce que comment vous dire que je suis trop fan. Alors là, c'est quelques-uns des articles dont je vous ai parlé qui viennent donc des soldes que j'ai faites, c'était lundi je crois. Donc ça, c'est une blouse de chez Mango, je l'ai eu à 29,99 au lieu de 49,99, je l'ai prise en taille S. Et franchement, je me suis demandé pourquoi elle était là. Enfin, elle est superbe, elle est pile dans la tendance et tout, et j'ai trouvé ça dingue qu'elle soit autant soldée, enfin pas autant soldée, mais qu'elle soit soldée quoi. J'ai pris, alors ça c'est le jean dont je vous parlais, je me suis trompée hier, je vous ai dit que c'était Redone, mais celui-ci c'est un Agol. Il est incroyable ce jean, j'ai jamais porté de ma vie un jean aussi bien coupé. Alors certes, il coûte son prix, c'est pas la paire de jeans que tu vas t'acheter toutes les semaines ou tous les mois, mais franchement c'est le genre de jean qui est tellement bien coupé que tu peux garder ça mais des années et des années. Il est dingue, j'adore la coupe, la longueur, comment vous dire que c'est pile poil. Enfin, pour mes longues jambes, je veux dire, c'est parfait, parfait. Il est pincé ici, donc ça fait un effet un petit peu bouffant, un peu peut-être carotte, je sais pas trop. Et il est bien plaqué, franchement, il maintient bien tout, même au niveau de derrière et tout. Enfin, au niveau de la taille, ça baille pas de fou, comme par exemple là, mes jeans Mango que j'ai acheté récemment. Il est super bien coupé et j'aime bien parce qu'il est un petit peu large, mais il est proche du corps quand même. Et il est droit. Et donc j'ai mis ça avec mes mocassins Mango parce qu'en fait aujourd'hui il pleut, il fait 18 degrés. J'ai mis aussi le vernis, je montre comme ça plutôt c'est mieux, le vernis Nail Berry, donc c'est la teinte Folie Douce et je l'aime d'amour. Et voilà, donc là je file chez le dentiste pour ma dernière séance de stripping. Il est beaucoup plus tard dans la journée, je vous ai pas du tout parlé depuis que je suis allée chez le dentiste. Par contre, j'ai enfin reçu le magnifique vase West Wing. Franchement, sa forme, elle est tellement originale et atypique. Enfin, c'est vraiment ça que j'ai adoré en fait sur le vase. Je vous montre comme ça, ce sera plus simple. Mais en fait, il est totalement arrondi de partout et tout irrégulier quoi. Mais trop trop beau. Franchement, j'aime énormément. Et donc, je pense que pour inaugurer le vase, demain, j'irai chez le fleuriste me chercher un petit bouquet pour bien commencer le week-end. Étant donné que demain, c'est vendredi, je suis bien allée faire aussi ma séance de stripping. Donc c'était la dernière séance, donc c'était la dernière fois que je voyais ma dentiste parce que, enfin, c'est pas ma dentiste habituelle chez qui je fais tous mes examens et tout ça. Là, c'était vraiment en fait la dentiste partenaire Jouvence. Donc c'est vraiment cool. Elle a vu, elle a regardé un petit peu mes dents, elle a vu qu'effectivement ça avait bien bougé et tout ça. Donc voilà pour ça, mais en tout cas, ouais, je suis bien. Enfin, je vais pas dire que je suis bientôt à la fin, mais il me reste. Allez, juillet, août, septembre, il me reste 3 mois et puis après ça y est j'aurai fini avec Jouvence, donc je suis trop contente. Demain j'ai mon rendez-vous à l'hôpital pour faire mon scanner du massif facial, ça s'appelle,
Donc pour faire en fait, enfin pour voir l'intérieur de mon nez, voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur au niveau de mon cartilage et tout ça, voir s'il y a toujours une déviation et tout ça. Bon, je pense que oui, je serais étonnée que non, honnêtement. Mais en tout cas, le scanner pourra bien poser les choses à plat, donc ça c'est chouette. Sinon là, je vais commencer à faire à manger parce que je vous avoue que j'ai super faim. En fait, avec Isaac, on a mangé. Enfin non, moi j'ai mangé. Oui, ce matin, ouais, j'ai pas fait de sport aujourd'hui, donc ouais, ce matin j'ai mangé 2 œufs avec du pain. Je vais commencer à faire à manger maintenant, comme ça, ce sera prêt pour 18h30. 19h et on mangera à ce moment-là, mais là ouais franchement j'ai super faim. C'était trop bien. Alors j'étais partie sur une séance haut du corps et puis finalement après elle a fini, bon j'ai vu qu'il y avait des abdos aussi, mais à la fin elle a fait une touche cardio, franchement ça fait trop du bien. Donc j'ai fait une séance de growing ananas comme bien souvent en ce moment. Là je vais m'étirer et puis après je vais aller préparer pour la journée. J'allais dire c'est le lendemain, mais on s'est déjà parlé à la séance de sport tout à l'heure. Je me suis habillée, j'ai mis un jean comme ça avec mon débardeur de chez End of the Stories de... Il y a bien 2 ans maintenant. Je vous montre le look. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré en fait le bouton dans le premier passant de la ceinture pour pouvoir serrer un petit peu la taille. Parce que pour le coup, honnêtement, c'est devenu beaucoup trop grand. En fait, derrière, ça baille vachement. Les autres jeans de chez Mango, ceux que j'avais récemment achetés là, de la même commande. En fait, au niveau des hanches, là, maintenant, ça va. C'est plus trop serré. Mais par contre, au niveau de la taille, ça baille vraiment beaucoup. Et même avec une ceinture, ça fait un peu bizarre. Donc voilà, je me suis dit que de faire un petit effet comme ça serait pas mal, puis ça ajoute un petit style. Là je vais aller à Auchan, j'ai quelques petites bricoles à aller acheter, et puis à 12h30, donc comme vous le savez j'ai mon rendez-vous, j'ai mon scanner pour mon nez, j'ai trop hâte de le faire, j'ai trop hâte de voir comment c'est à l'intérieur. Et aussi j'ai une copine en fait qui ouvre une briocherie sur l'île qui s'appelle, ma copine s'appelle Sylvana, et donc c'est son inauguration aujourd'hui, elle fait une petite soirée, un event. Donc Isaac et moi on est invités, donc on va y aller aussi aujourd'hui en fin de journée. Et puis voilà, donc je vous embarque avec moi pour cette nouvelle journée. Je sors de mon scanner, je viens de regarder l'imagerie on va dire. Et franchement j'ai halluciné, j'ai envoyé une photo à Isaac. Il m'a dit non mais c'est une grosse blague. Je vais vous montrer l'intérieur de mon nez. Ah, par contre, ce qui m'a fait rire, c'est que la personne qui m'a fait le compte rendu m'a dit « Oui, bon, il y a une déviation minime. Le truc, c'est on dirait un slalom de ski. » Je sais pas. Enfin, je rigole, mais je suis énervée. Donc ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de mon nez. Mon septum, il est comme ça. Voilà, donc tout s'explique. Franchement, je suis énervée contre le chirurgien qui m'a opéré parce que clairement, il m'a rien fait. Et je suis curieuse de comparer avec l'autre scanner que j'avais fait du coup avant mon opération. Voilà avec quoi je vis. Et donc voilà pourquoi l'air ne passe pas bien. Enfin forcément, on a une énorme narine ici et on a une inexistante là. Enfin, en tout cas, ça confirme bien. Et donc je verrai maintenant ce que le chirurgien va me dire. Il est plus tard dans la journée, il est bientôt 20h et on est sur la route pour aller, je sais plus si je vous l'ai dit dans le vlog, mais en fait j'ai une copine qui inaugure la première briocherie, enfin c'est sa première briocherie à Lille, je pense pas qu'il y en ait d'autres d'ailleurs. Et donc en fait c'est l'inauguration ce soir et elle ouvre la semaine prochaine, donc c'est Sylvana et elle nous a gentiment invité à aller à l'inauguration du coup. Donc là on est sur la route, on est en retard parce qu'en fait c'est à partir de 18h, on est un petit peu à la bourre mais bon j'imagine que ça se finit pas à 20h, enfin j'espère pas en tout cas, mais voilà donc là on est sur la route pour l'inauguration.
événement. Franchement, c'était super sympa et je vous recommande vivement l'adresse de Sylvana si jamais vous êtes soit de passage sur l'île ou si vous êtes de l'île. Franchement, sa briocherie, elle est trop jolie, elle est trop réussie et franchement, c'est vraiment une personne qui mérite puisqu'elle est vraiment solaire et c'est un projet qui lui tient à cœur depuis tellement longtemps. Moi, ça fait des années que je la connais, Sylvana. Et franchement, c'est que la concrétisation de beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, de sacrifices et tout. Et c'était super émouvant. Il y a sa sœur aussi, du coup, qui travaille avec elle. Et c'était vraiment un chouette moment à son image. Il y avait beaucoup de monde et tout. Bon, je vous mets son compte Instagram si vous voulez en barre d'infos. Et sinon, la briocherie se trouve au 24 boulevard Carnot. Non, Victor Hugo. Victor Hugo. 24 boulevard Victor Hugo à Lille. Et nous, ben, on va rentrer à la maison. Je pense qu'on va se commander un petit truc parce qu'il est 21h. Et ben, je vous retrouve sûrement demain. C'est le lendemain, les filles. Aujourd'hui, on est samedi. Et franchement, hier, je vous ai parlé hier ou pas? Oui, je vous ai parlé dans la voiture quand je vous disais que l'event était super sympa et tout. Donc ouais, franchement, je vous invite vivement à aller goûter, à aller faire un petit tour à la briocherie de Sylvana. Donc elle ouvre officiellement le 6 juillet. Et franchement, sa briocherie vraiment est à son image, très colorée, très solaire, très good vibes. Donc elle fait du sucré, du salé. Il y a d'autres déclinaisons aussi. Il y a toute une partie épicerie aussi. Enfin voilà, franchement, allez y jeter un œil, même sur son compte Insta et tout ça. Je vous le mettrai en barre d'infos. Sinon, là, en fait, j'étais en train de me dire que je vous ai toujours pas montré dans ce vlog la sélection que j'ai faite, donc spécial solde. Je sais que je l'ai montré sur Insta, je l'ai montré sur TikTok, mais je l'ai pas montré ici. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer les pièces. Il y en a encore qui sont derrière moi, il y en a d'autres que j'ai déjà rangées dans mon armoire, mais de toute façon j'avais déjà fait les essayages, donc si vous voulez, à chaque fois je mettrai sur le côté mes essayages, comme ça vous les verrez quand même. On va commencer par ce qui est là, et bien évidemment je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Alors donc d'abord j'ai pris cette robe de chez Mango, donc en imprimé serpent comme ça, et ce que j'ai bien aimé du coup c'est qu'elle se serre en fait, mais devant, elle a une ceinture intégrée qui est vraiment cousue, donc vous pouvez pas enlever pour le coup, mais elle vient vraiment se nouer à la taille ici et ça vient vraiment marquer la taille. Donc je l'ai trouvée vraiment chouette, je l'ai prise en taille S, elle était réduite de 23,34% pour être précise. Donc voilà, de toute façon je vous mettrai un maximum de choses en barre d'infos. Je sais que celle-là je l'ai pas trouvée en ligne sur le site de Mango, mais par contre j'ai vu la version blouse, enfin ou chemise, je sais plus. Mais ouais, elle est super agréable, elle arrive au-dessus du genou. Après je vous avoue que j'hésite encore au niveau de la longueur justement. Elle est très jolie mais sur moi, bon, elle fait un petit peu courte. Après la longueur et tout ça, ça varie de tellement de choses parce qu'il y a des personnes, enfin voilà, chacun déjà est à l'aise avec la longueur qu'il veut. Et aussi je trouve que quand on est, bah forcément quand on est plus grande ça paraît plus court, mais quand on est plus petite ça paraît plus long. Donc après ça dépend de chacun, mais en tout cas la robe en elle-même je la trouve très très jolie. J'ai pris cette salopette aussi. Pareil, donc toujours chez Mango, elle est top. Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est qu'en fait, pour que les bretelles, si vous voulez, pour que ça, ce soit à la même hauteur, ben en fait, les bretelles, elles sont décalées, elles se mettent pas au même endroit, en fait. Et donc ça me stresse un peu, parce que moi, j'aime bien quand tout est parfait. Et du coup, t'as un truc en métal là, et un truc en métal là, pour que la salopette soit droite. Donc je trouve pas ça très logique, donc bon. Et puis, devant aussi, enfin, je sais pas, je trouve qu'elle accentue un petit peu... Enfin, j'ai pas de ventre, mais en fait, vu que, bah, en fait, je pense que c'est propre à la forme salopette, parce que j'ai remarqué que même ma salopette rose que j'ai de chez Horta, elle me fait un petit peu le même truc. C'est qu'en fait, vu que c'est pas du tout cintré au niveau de la taille, bah, j'ai l'impression en fait d'avoir, enfin, que ça gonfle un peu au niveau du ventre. Et pour la silhouette, je trouve pas ça super. Enfin, je trouve pas que ce soit ce qu'il y a de mieux, on va dire. Donc voilà, j'hésite aussi, je vous le cache pas. À la garder ou non, mais en tout cas elle est très jolie, même enfin le dénime, la teinte comme ça du jean, elle est très sympa et tout. Mais je vous dis, c'est cette zone là en fait qui est un peu trop large et qui se gonfle un peu, et donc voilà, pour ça j'hésite, mais sinon elle est vraiment top. Ensuite on a ce super t-shirt que j'ai pris pour le coup dans la collection nouvelle collection, mais bon honnêtement il était pas cher, il était à 7,99€. Je l'ai pris en XS parce que je voulais vraiment essayer la taille XS sur moi, voir si ça m'irait mieux, parce que comme vous le savez, bah, j'ai perdu du poids, et comme je vous l'ai dit c'était pas l'objectif premier, mais voilà, c'est une résultante de plein de changements. Et en fait je voulais voir du coup si les t-shirts en XS m'iraient mieux, parce que je trouve que les t-shirts déjà que j'ai en M, ils sont trop grands maintenant, et ceux en S en fait
fait, ça dépend des coupes et tout ça. Donc j'étais un peu curieuse, mais je trouve qu'au niveau de la carrure, vous savez, les coutures ici et là, en fait, ça s'arrête pas au niveau de mes épaules là, ça s'arrête un petit peu avant. Donc ça fait un peu, enfin ça se voit pas, mais c'est vrai que je me dis, bon, au niveau carrure, c'est pas ce qu'il y a de mieux, le XS. Mais au niveau vraiment de la taille, en dehors de la carrure, XS c'est mieux que S sur moi maintenant. Mais en tout cas, je vous le montre, il est trop chou, donc il est écrit « Bonjour mon amour » dessus, rose et rouge. Je le trouvais trop mignon. Et enfin, donc je vous ai parlé de la robe en jean tout à l'heure. On a cette superbe robe en jean. Elle est trop jolie. Vous la verrez mieux portée, mais voilà, elle est tout ce que j'aime. Elle est hyper féminine, elle est bien cintrée. Alors comme je l'ai dit dans mon haul en anglais, moi je serais du genre à mettre quand même un petit shirt en dessous ou quoi, parce que en fait, vu que c'est des pressions, psychologiquement, j'ai peur que quand je marche, vous savez, ou je sais pas, je m'abaisse d'un coup, je dois vite courir ou j'en sais rien, mais que tout s'ouvre en fait en plein milieu de la rue, c'est le genre de truc que j'aurais trop peur que ça m'arrive. Et honnêtement, si ça m'arrive, genre, enfin, je crois que je saurais pas du tout où me mettre. Et donc, bon, par sécurité, je pense que je mettrais quand même un petit truc en dessous. Mais sinon, elle est super jolie, franchement, elle a une belle longueur en fait, et les pressions s'arrêtent pas tout en bas. Donc il y a une espèce de petite fente quand même devant. Elle est très élégante, très féminine de par sa coupe, et le côté jean comme ça, ça lui donne un côté un petit peu plus ouais, peut-être décontracté, je sais pas comment expliquer, mais ouais, ça vient décaler un petit peu la coupe très féminine et près du corps et cintrée et tout ça. Donc super jolie, je l'ai trouvé, je l'ai vu sur le site aussi en soldé, donc je vous mettrai les liens. Bah écoutez les filles, je pense que je vais vous laisser ici. C'est marrant parce que c'est devenu rare maintenant les fois où je vous dis au revoir dans les vidéos, mais c'est parce qu'en fait je parle tellement que du coup Isaac coupe et voilà, et du coup il n'y a jamais de fin en fait à mes vlogs en ce moment. Je filme vraiment non-stop, de toute façon là même aujourd'hui je vais continuer à filmer, mais au moins je peux vous dire au revoir. Donc je vous fais des gros bisous les filles, j'espère que ce vlog vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner parce que moi ça m'aide beaucoup dans mon travail. Donc je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, ciao.